Tout le monde a dit qu'elle avait épousé pour son argent, mais la vérité vous surprendra. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous raconter l'histoire de Petro Itosia Magoti. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Tout le monde a dit que sa femme l'avait épousé pour de l'argent. Mais il a ensuite donné cette réponse émotionnelle qui pourrait vous faire pleurer. La vérité est que tout le monde espère trouver l'amour un jour et quand ils le font, les amis et la famille célèbrent avec eux et leur souhaitent un bonheur pour toujours. Cependant, quand il vient pour des gens comme Petro, Itosia, Magoti, c'est un cas entièrement différent. Tout le monde veut d'abord avoir son mot à dire et la plupart du temps, leurs pensées et leurs opinions sont très désobligeantes, amères et tristes. Ils croyaient que des gens comme Petro Magoti ne trouveraient jamais quelqu'un qui les aimerait pour qui ils sont. Mais est-ce vraiment ça? Eh bien, la réponse est un grand non. Et l'histoire d'amour de Petro prouve tout. Alors qui est exactement Petro Magoti? Avant d'entrer dans ce à quoi il ressemble, parlons de sa carrière et de ses relations. Petro est secrétaire adjoint pour le parti Chama Chama Mapinduzi. Ce parti est le parti au pouvoir dominant en Tanzanie et le deuxième plus long parti au pouvoir en Afrique. Donc cela devrait vous dire que Petro est un homme riche et célèbre, très influent en Tanzanie. En dehors de cela, il est également un manieur des affaires avec des entreprises prospères à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Alors pourquoi beaucoup de gens pensaient-ils que cet homme noble n'est pas capable de trouver le véritable amour? Vous voyez bien que Petro est un succès homme dans la plupart des régions. La plupart des gens le radient à cause de son stature physique, en plus d'avoir une bosse. Il est aussi un petit homme et c'est à cause de ses qualités que les gens pensent qu'il ne pourrait jamais trouver le véritable amour ou même se marier. Certains présument qu'il resterait célibataire et riche pour le reste de sa vie. Cependant, Petro a choqué tout le monde en Tanzanie lorsqu'il a annoncé ses fiançailles avec une très belle femme nommée Joyce. Cette femme était exactement le contraire de Petro. Elle a une taille admirable et incroyablement magnifique à cause des différences flagrantes entre eux. Tout le monde a conclu qu'elle ne l'aimait que pour son argent. Mais à quel point cela est-il vrai? 3 mois seulement après l'engagement de Petro, il a une fois de plus pris tout le monde par surprise. Lorsque ces photos de mariage ont éclaté sur Internet, le mariage était élaboré et a réuni les plus hautes autorités et célèbres tanzaniennes. En fait, il a été qualifié de mariage national, mais malheureusement, immédiatement après que les images sont devenues virales, le couple a reçu des mauvais commentaires des internautes. Nous pouvons citer par exemple un message du style « Quand vous avez de l'argent, vous avez le monde à vos pieds. C'est une définition parfaite de l'amour rend aveugle. » Un autre commentateur a également écrit « Avec de l'argent, vous pouvez réaliser n'importe quoi. » Je vais dire
Tout ce que la pire qu'un homme puisse faire est de se marier avec une femme qui ne l'aime pas. Et cet homme vient de faire cette erreur. Je ne me sens pas désolé pour lui. Si quelqu'un ne vous a pas dit, je le ferai. Elle ne vous aime pas, monsieur. Mais malgré tout, ces commentaires, Petro et Joyce semblent s'en moquer. Ce sont de tout heureux qui ne reculeraient devant rien pour exprimer leur amour l'un pour l'autre. Tout le monde pense que Joyce a épousé cet homme pour son argent. Mais voici la vérité que vous voyez. La plupart des gens ne savent pas que Petro et Joyce sont des amants de longue date. Ils sont ensemble avant même que Petro n'entre en politique. Cette belle femme l'a soutenu contre vent et marée avant sa gloire et sa richesse. Et pour moi, ce n'est rien d'autre que le véritable amour. Mais la réponse de Petro à ses détracteurs prouve également que leur relation est aussi réelle que possible. Sur sa page Instagram, le politicien a écrit « Je sais combien vous avez hâte que je vous parle de notre amour. Ma charmante épouse continuera de m'aimer jusqu'à la fin de notre vie », a-t-il écrit. Nous avons écrit l'histoire, nous savons d'où nous venons et où nous en sommes aujourd'hui. Karibu, Joyce. Ningependa kumtambulisha mchumba wangu, kipenzi changu, my Obimo. Mimi napenda kumuita my Miamo. My Corazon. Dans un autre post, il a écrit « Mon cœur a trouvé le repos éternel. J'ai une femme qui m'apprécie et même au-delà des mots. » Vous voyez, quand quelqu'un vous aime vraiment, vous savez juste que l'amour vous fera tenir debout. Et c'est exactement comme Petro ressent actuellement. Et selon vous, chers éclaireurs, que pensez-vous de tout ça? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. À plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.